Pour situer Dulpan sur une carte, il faut des yeux de loup et beaucoup d'imagination. Le quartier de Trank est là, debout sur ses rues, comme un vieux qui s'acharne à reprendre son souffle. Sur les boîtes à lettres, la plupart des noms ont disparu. Mais on dit que le facteur est un peu sorcier et le courrier finit toujours par arriver à destination. L'immeuble où vivent Taline et sa grand-mère, Baka, est mité par les balles perdues. Pourtant, la vieille femme répète « Les trous, ça laisse passer la lumière et la musique !» Ici, la musique se fraye toujours un passage à travers les fissures. Aujourd'hui est un mardi particulier. Et dans la cuisine, Baka pétrit une pâte à tarte. À ses pieds, un petit chien jaune posé sur le tapis comme une question. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé Fraguet. En yiddish, Fraguet signifie question. Baka pétrit, lève le nez vers la pendule et s'exclame « Tu te rends compte, quand sonnera 6 heures, notre Taline aura 10 ans. Tu te souviens du jour où elle est née ?» interroge Fraguet. « Tu parles. Elle a poussé un cri d'oiseau, un vrai la, un la si pur qu'on a cru qu'elle avait gobé un diapason, comme si elle avait passé 9 mois à s'accorder. » Baka se laisse retomber sur sa chaise, les ongles plantés dans sa pâte brisée. Fraguet s'inquiète. « Tu es fatigué? Tu as mal quelque part? Tu as pris des pilules? Tu veux que je t'aide à éplucher les pommes ?» Mais Baka soupire. « C'est rien. C'est juste ma tête. » Ein Lorinkop. J'ai un trou dans la tête. Elle contemple sa boule de pâte comme un crâne mou. Elle le sait. Elle le sent. Sa tête devient aussi trouée que le toit de l'immeuble. Ses idées s'envolent et ses souvenirs s'évaporent chaque jour davantage. Il est temps, se dit-elle, en repoussant le museau de Fraguet comme une question lancinante. Thank you.
Ce mardi-là, c'est le jour de fête. Tanine gonfle ses poumons et souffle ses bougies. Après avoir mangé sa part de tarte, elle pousse les assiettes et les verres et se met à danser sur la table au milieu des miettes d'anniversaire. De tousser. Ses poumons à elle sont flétris comme deux radis noirs. Ce mardi-là, Baka a décidé d'apprendre à sa petite fille ce qu'elle sait de la vie. Et ce qu'elle sait tient dans une clarinette. Au fil du temps, la famille a été tant dispersée par les guerres que son histoire est en petits morceaux. Alors, tout se transmet en musique, en morceaux de musique. Mais surtout, Baka veut apprendre à Taline une mélodie que lui avait transmise sa mère. Laquelle la tenait de sa mère? Qui la tenait de sa mère? Qui la tenait de... Enfin, une mélodie qui vient de loin d'entre les mers. Une mélodie pour entrer dans la vie. Une mélodie qui aide à comprendre le dedans, le dehors, l'avant et l'après, le pourquoi et le comment. Une mélodie qui explique le sens de la vie. Une mélodie qui fait pousser les branches des arbres généalogiques. Ah, elle fait tout ça? C'est une mélodie couteau suisse, interroge Fraguet. Taline le fait taire et ouvre ses oreilles. Elle sait qu'il s'agit là d'une question clé. Baka s'empare de sa clarinette et commence à jouer la mélodie. Interroge Fraguet. Baka happe le vide de ses grands yeux gris. Parce que je ne sais plus. J'ai oublié l'autre moitié. I love it. C'est pas grave. Ça va te revenir, la rassure Taline. Le lendemain, Baka essaye de rejouer la mélodie.
surlendemain, Baka essaye encore et encore. Les jours suivants aussi. Alors il campe, gémit-elle. Peu à peu, Fraguet se met à grossir. Fraguet, arraché sous la table, comme une question sans réponse. Rumine sa moitié de mélodie derrière ce qui lui reste dedans. Bon sang, mais où est passée cette suite? Taline essaye de la distraire. Hé, Baka, tu connais le coup de la clarinette qui joue comme une raquette? Et est-ce que tu connais la clarinette qui joue les mouettes? Mais tu sais, tu devrais faire comme Fraguet quand il chasse. Il ne reste pas planté devant le terrier à attendre que le lapin sorte. Il regarde ailleurs. Le lapin finit par sortir du trou, et là, hop, on le chope par les oreilles et... T'as déjà essayé de choper une mélodie par les oreilles, demande Fraguet. Et ça si tu peux, t'as déjà essayé de
jours filent et Bacla décline, accroché à sa demi-mélodie, comme une naufragée dérive sur son bout de radeau. Elle ne mange plus, ne boit plus, ne dort plus. Fraguet, lui, il mange, il boit, il dort. Chaque jour, il prend du poids. Encore, il gonfle, comme une enfant. Et un soir, tandis qu'elle déambule dans la pièce, en essayant de retrouver son air oublié, Bacla se prend les pieds dans Fraguet, couché sur le tapis, et manque de ses caisses de nez. C'est terrible quand même de buter sur une question. Cette satanée question, de plus en plus embarrassante,